Lors de notre repérage pour notre concert classique l'année prochaine, au mois de juillet 2019, nous avons constaté, M. Egger de Espace Couvert et moi, qu'il y a beaucoup, je veux dire, de beaux herbes ici au fort dans les Douves. Donc nous avons fait la demande à la mairie comme quoi les vaches pourraient venir ici au fort, je veux dire, pour se régaler encore une fois avant la pause de l'hiver. Depuis 3 ans, on a commencé un élevage de vaches Highland avec un collègue qui est agriculteur à temps partiel à Mauternes. Et depuis le printemps de cette année-là, on a emmené nos jeunes génisses, c'est-à-dire les jeunes vaches qui ont entre 1 et 2 ans, chez Gébo dans la zone industrielle à Reichstätt. Comme cette année, on avait très peu de pluie, on manque un peu d'herbe dans les prés. Et lors de ma visite au fort, j'ai vu qu'ici, il y avait la possibilité de mettre les vaches pendant 2, 3 semaines cet automne. Et la race qu'on a ramenée ici, c'est les vaches de la race Highland, c'est-à-dire c'est une vieille race écossaise. C'est des vaches robustes qui vivent toute l'année à l'extérieur. On leur a préparé un petit abri, aussi bien chez Gébo qu'ici au fort, pour qu'elles puissent se mettre à l'abri quand il y a beaucoup de vent ou quand il fait très froid. Mais à la base, cette vache-là, elle n'a aucun problème de rester toute l'année dehors. Ils ont de l'eau en abondance, de l'herbe en abondance, et pour l'instant, ils sont là depuis une semaine maintenant, elles se portent très bien. Les vaches sont très courtes aux pattes, c'est une petite vache qui est très robuste et comme on peut le voir déjà ici, elle existe en plusieurs coloris. Le coloris le plus courant, c'est le rouge, mais elle existe en blanc, en jaune, en noir ou en gris. On appelle cette couleur-là du daim. On a mis nos génisses ici dans le fort. Les génisses, c'est les jeunes vaches qui ont entre 1 et 2 ans. La race des Highland, c'est une race à viande. C'est-à-dire la vache, elle vit toute l'année dehors, elle mange que de l'herbe et du foin, pas d'antibiotiques, pas de maïs, rien d'autre. Comme ça, la viande, elle a le temps de grandir tranquillement. Les jeunes vaches sont laissées part du troupeau parce qu'un premier veillage ne doit pas avoir lieu avant leur 3e anniversaire pour garantir à la vache qu'elle arrive à maturité. Si vous voulez voir les 6 vaches qu'elles sont derrière de moi, faites le tour à l'extérieur, le fort, et regardez dans les douves et vous voyez ce petit troupeau manger notre beau herbe. J'ai été contacté par Rudy il y a maintenant environ 15 jours pour ce projet d'implantation de vaches dans les douves du fort. J'ai tout de suite trouvé un intérêt à cette implantation, car en effet, le service technique passe une fois par mois pour tondre l'herbe et puis en même temps est obligé d'emmener quand il y a des gros tas d'herbe à la déchetterie verte de Reichstätt. Ensuite, une fois dans l'année, on fait appel à l'Eurométropole pour emmener ces déchets verts à l'Eurométropole pour qu'ils soient traités. Et il y a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est naturellement financier. Le service technique ne se déplace pas au niveau de la tonte, donc on peut faire autre chose. On ne brûle pas d'essence. Tout ça représente, à mon avis, à peu près 1 000 euros. Donc un intérêt global pour la commune et en même temps un intérêt pour cet éleveur qui a de quoi nourrir ses vaches. En conclusion, je dirais que c'est quelque chose qu'il faudrait renouveler et refaire régulièrement d'année en année pour avoir un partenaire idéal au niveau de cette faisabilité d'implanter des vaches au fort. En plus, je pense que pour les enfants de Reichstätt, ça pourrait être aussi également une façon d'apprendre un peu plus sur les économies à réaliser par des moyens naturels. Merci.